le pardon, le partage, la prière, le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. La parole, élément qui alimente l'esprit de bien-être et de protéines divines. C'est là même qu'est jugée et jaugée la croissance de notre esprit, puisque tout comme le corps, l'esprit a besoin de vitamines, donc de bien-être pour grandir. Et si le cœur a ses raisons que la raison de l'homme ignoble ignore, c'est parce que l'homme est dépourvu de pardon, quand bien même que le pardon apaise le cœur. Alors, qu'attends-tu pour demander pardon? Car, qu'attends-tu pour pardonner? Le pardon, la prière, le partage. Pardon, partage, pénitence. Que l'on juge un maçon au pied du mur. Le partage est la devise qui vise à consolider le relationnel. Encore que le partage n'est pas toujours matériel. Si tu n'as rien, frère, ne trouve pas de raison pour ne pas partager. Puisque la parole, tu peux également la solidariser. En plus, le fait que ça soit un dialogue d'intimité avec le Père. La prière est ce qui nettoie et sait essuyer notre âme quand elle est souillée. Et ça, un chrétien aussi est censé le savoir. C'est pendant 40 jours et un peu plus de 960 heures que celui par qui le péché du monde a été repris, celui qui a pris des coups de fouet pour que tes fautes te soient pardonnées, celui qui, durant 3 jours, a affronté la mort pour que tu ne meures et revives dans la lumière qu'il ravive, celui qui, malgré toutes ses erreurs, te tend le bras et attend juste que ta main touche la sienne. Ici, c'est bien au Messie que ces vers vêtus de rimes porteuses de bons messages font allusion. Oui, ici. C'est bien au temps de carême que ces vers vêtus de rimes porteuses de bons messages font allusion. Car, oui, c'est pendant plus de 40 jours et un peu plus de 960 heures que le Christ a jeûné et prié dans le désert. Alors, en ce temps de désert spirituel, faisons ce qui est juste et bien, et faisons le bien. Encore même que si la liturgie a circonscrit le carême sur une période bien définie, nous devons vivre le carême dans notre vie tous les jours, puisque la prière, le partage, le pardon et la parole sont le quotidien d'un bon chrétien. Alors, chers frères, vivons le désert spirituel tous les jours de notre vie. Peace.